permet par exemple à des personnes handicapées de renouer avec leurs sensations. Bah là, en tout cas, on est comme les autres. T'es sur ton fauteuil, puis t'as la trappe, et puis ça s'ouvre, et puis là t'y vas, et d'un coup, bah, y a plus besoin de fauteuil. Pierre, rescapé du Bataclan, retire un bénéfice évident de ce genre d'expérience. Il a envie d'aller de l'avant, son parcours est quand même assez extraordinaire, il est présent pour les autres. Grâce à lui, je me suis remis au sport, je me suis remis au tennis. On se dit qu'on peut tout faire avec lui. Michael est un bon exemple des chemins que chacun peut tracer vers la résilience. Et sa reconstruction force l'admiration. Je suis fier de son parcours, je suis fier surtout de sa façon d'avoir réagi, parce que s'il n'avait pas réagi comme ça... Ouais, s'il n'avait pas réagi comme ça, je ne sais pas où on en serait, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je ne fais pas, que je ferais si j'étais valide? Ben, en fait, je ne crois pas. Et en plus, je pense que j'en ai fait mille fois plus dans cette nouvelle vie que ce que j'aurais sûrement fait en valide.